C'est la 17e. On va partager. La 18e déjà. Oh. Bonsoir à tous, bienvenue sur notre chaîne e-series. Donc nous sommes au Japon pour le groupe 1, la 18e course déjà de la saison. Ça arrive. Je suis en compagnie donc de notre ami, de nos amis Mika et Crotosaur. Ils vont m'aider à commenter ce Grand Prix. Voilà, bonsoir. Assez palpitant d'ailleurs. Ouais, tu vois, moi le live, alors, ça va. La qualité est bonne, mais ça bug un peu. Alors, j'ai rien reçu. Bah pourtant c'est lancé, hein. Je suis dessus sur la chaîne, mais vu que je suis avec le partage de connexion de mon téléphone, ça a un peu de mal. Donc je suis obligé de recharger la page, c'est juste pour les commentaires. Hein. Bon, bientôt ça va se lancer. C'est qui le premier? Un Renault? C'est Tommy Nico. Cruiser. C'est pas Nico le premier? Si, Nico, il lance là, il arrive. Ouais, je suis sur lui. Pour c'est bon, j'ai le live sur Twitch. Si... Ouais, le live. Par contre, il y a marqué que le. C'est normal qu'il y ait. Ah, bon, c'est bon. J'avais un avertissement qu'on voit, c'était réservé à un public d'adultes. Ouais, sachant qu'on fait rouler des. Sachant qu'on fait rouler des mineurs. Non, c'est peut-être le. Les paramètres. Faudra que. Ouais, c'est quand même. Bon, Mika qui est donc toujours dans toutes les. Des infos de météo. Ouais. Mika qui est toujours dans toutes les sessions d'entraînement, à ton avis, ça va tourner en combien? Normalement, ça va descendre en dessous, dans les 1,25. Bah, on a roulé jeudi, hein, nous, hein, en interteam. C'est vrai. Encore fait un bon résultat et. Très gros résultat en groupe 1. Et on est même. Il reste deux courses, mais on est déjà déclaré champion d'interteam groupe 1. Nico est sorti un peu, alors je sais pas s'il a annulé son tour. Non, tu mets la carte du circuit en gros et le circuit est rouge. Le circuit est rouge quand il est annulé. Bon, là, il aura pas un gros chrono. Hein. Il a. Non, c'est la reconnaissance voilà. De toute façon. Voilà. Voilà, une petite glissade. Ouais, une 26-4. Une seconde et demie, il va les mettre, je pense encore. Oui. Et nous, il va pas revenir, Pastico. Négatif. Bah, tu l'as invité, il est pas venu. Bah, tu parles mat déjà. Oui, bah, pas de grand chose. Ouais. C'est tour de mise en gris. Alors. Il a chauffé des pneus. Voilà. J'ai pas fait de partage. De quoi? J'ai pas fait de partage, quoi. Ouais. Bah, je sais pas, comme YouTube, je peux pas le partager, je l'ai pas sur mon téléphone, moi, Titi. Je sais pas comment on fait. Velcro, oui, tour annulé. Ah, Weather dehors. Ça revient sur la piste, oui, avec personne derrière. Il a pas cassé, donc ça va. Non, il a juste petit spin des familles. Et... Ouais, ça coupe. Bon, remarque, il vient même de spin. Oui, il s'est fait annuler le tour. Est-ce qu'il va relancer sur le même train de pneus, sachant qu'il a un petit peu abîmé la gomme? L'ordium 26-7. Oui, ils y vont doucement. Ils sont sur un petit rythme de. Oui. Là, pour l'instant, ils sont calmes. C'est vraiment la croisière sur le fleuve. Ah, Matt. Non, il est en tour de. Non, il avait lancé un deuxième tour, mais il se l'est fait annuler, Matt. C'est bien dommage. Bon, il va aller au stand. Allez, on va faire un petit tour. Donc, Nico qui termine un deuxième tour lancé. C'est en amélioration, je crois. Ah, c'est bon. Non, il a pas amélioré. Même pas. Non. Mais ce circuit, les pneus s'usent pas. Si, ils s'usent quand même un petit peu. Mais. Ça reste assez honnête. Mais avec le RS, tu peux faire deux tours lancés. Deux stops, ouais. Ici. En moyenne, ouais, deux stops. Mais deux stops. Ouais, sachant que ça va partir quasiment tous en rouge. Le seul problème, c'est que les rouges, ils sont très bien.
Pas pour Mais les 10 premiers, bien sûr. arriver au bout de 10 tours, ben, Ah, c'est tu commences à être... cassure. C'est Ah cassure ben, nette. ouais, tu commences à être moins rapide qu'un quelqu'un en jaune à 10 tours. On l'a vu jeudi, hein, on a tout vu jeudi, et en plus, moi j'étais leur ingénieur, et je voyais tout, je voyais les deltas, les écarts qui fondaient par rapport aux pneus. C'est un message subliminal, c'est-à-dire qu'il faut nous suivre le jeudi en interteam. Ouais, bah moi je regarde. Allez, 26-1. Ouais, j'analyse aussi, c'est pour nous aussi la semaine, hein. Parce que bon, demain soir, Russie En pour le plus, groupe 2. là, pour le coup, ça coïncidait avec les Grands Prix qui arrivent, donc c'est. Ah, Martin. C'est plutôt pas mal. Petit nouveau. Nico qui s'est pris le premier secteur en violet. Ouais, Qui arrive. il est en Oh train non! de. Il est en train de tuer ses pneus. Ouais, il a. Je Mais pense qu'il voulait améliorer. le plus. Il est mal sorti de la chicane, mais il a voulu rentrer. Ce qu'il faut savoir, c'est que le train de pneus le plus usé en qualif, il est jeté à la poubelle. Tu l'auras pas en course. Ouais. Donc tu peux faire 2 tours dessus. À condition Il y d'améliorer en a un qui derrière, était. hein. Parce que s'il Ouais, il y en a améliore un. plus, il part C'est avec ça. le train là, hein. C'est un risque. Était dans la sauce. Bon, 26-1, je pense que ça devrait pouvoir descendre au moins une demi-seconde en dessous. Vite aller voir. Par contre, j'annonce, on a un nouveau pilote là, Martin J'étais 667. dessus, j'étais en train de regarder. D'accord. 27-4 en premier tour de mise en grille, quoi. Donc, apparemment, on nous annonce. Je regarde rouler, Titi, ça roule très très bien. Les trajectoires, tout, déjà il est au volant, je pense. Ouais, Vu comment moi il je gère vois rien. l'accélérateur, il est au volant. Aïe Ah, aïe aïe! Une petite fois. Ah, bah oui, il non, a pris le. il est en tour de rentrée, hein. Puis il a pris le vibreur. Ouais. Le plus dangereux, c'est de pas de se mettre dans la trajectoire de la McLaren, attention. J'espère qu'il t'a prévenu pour les 3 minutes, Titi, hein. Oui, j'ai envoyé un message. Ok, bah c'est bien, tant mieux. En espérant qu'il ait pu le lire. Je peux pas aller dessus là. Natoum qui Mais rentre. voilà. Bon, Pour c'est déjà pas l'instant, mal, ils n'ont Tom. pas été très très vite, hein. Pour l'instant, ils sont restés calmes, hein, par rapport à jeudi, hein. Sont gentils. Oui. Ils sont restés calmes. Bon, quand on voit quand même le groupe 1 en interteam, qui a quand même Écraser la concurrence. Désolé pour les merde. concurrents, Attends. mais ça s'est fini Attention à ce qu'on dit à. quand même. Oui, bah Le justement, nombre mais. de points qu'ils ont, le groupe 1 de la team Racing D-Series. Les trois autres teams, ça fait pas leurs points réunis. C'est juste impressionnant. C'est fort. Ah, Velcroz, il s'est fait annuler son tour. Il rentre au stand. Barrick qui est Aïe aïe sorti. aïe. Ah, mais il y a Le rang passé. Matt qui est dans un tour lancé, qui vient de se lancer. Sortie, l'ordure tour sortie, Oui, bah je fais Natum, attention à LRL, ceux qui sont ah ben ça lancés. on sait, hein. Natum, Barrichello, Oui, c'est les Martin qui habitués. bizarrement relance, malgré son erreur et. Martin relance son tour. Malgré son Il peut erreur, il a un petit peu repasser, taillé les je pneus. regarde. Mais... Ouais, à 2 tours, il peut refaire un chrono, améliorer et il pourra ressortir. Il Oh faudra non! qu'il améliore. Oh non, Une ça a petite erreur tapé encore. ce toto. Ça a failli abandonner. Ah, ça abandonne. Ah non, c'est bon. Mais je pense, bon, c'est la première course de Martin avec nous. Il y a peut-être un petit stress. En plus, je lui ai Ouais, demandé voilà, c'est on d'être verra la course comment que ça va se très passer. vigilant. Très vigilant. Donc, il a peut-être un petit stress et ce qui fait qu'il est peut-être Après, pas assez. je crois que tu lui as dit, il est là pour rouler, mais Voilà. il joue pas le Qui classement, ne quoi. pas interférer au niveau des Voilà. leaders et du championnat, quoi. C'est Donc, voilà. petite course test. Matt, tour annulé. Nico, Décidément. qui est en tour lancé. Allez, tour annulé, ça va vite ici, hein. Bah ouais. Et en Ouais, Russie, c'est. demain, c'est encore pire. C'est une catastrophe en Russie. Chirocco qui lance son tour aussi. Surtout le secteur 2 de la Russie, il est vraiment très très piège pour annuler son tour, pour se faire annuler le tour. Est-ce que Nico va nous faire comme ses 2 dernières courses? Va piétiner la concurrence. Parce que Singapour, Russie, Nico presque intouchable sur les 2 courses.
sur Ayrton là, c'est pas mal. Lordium, une... ah, une 26. Ah bah. Hey Nico qui s'est pris le premier secteur qui arrive dans la chicane. Et a pris le secteur 2. Ah non, ouais. Le secteur 1. Non, c'était le 1. Parce que là, il arrive dans la chicane, il avait pris le 1. Le 2, je sais pas, je crois pas, il a pas pris le 2. Il prend bien l'intérieur. Voilà, ouh, pas c'est grand serré. Chose. Eh, c'est serré, hein, là, les trois premiers. Hein. 20 millième sur le trio de tête. Voilà, ah bah, oh là, les aïeux. Voilà. Voilà. Monsieur Barrick, il met d'accord le patron tout le monde. Arrive. Mais c'est toujours serré. Lui aussi. C'est toujours lui serré. Aussi, Barrichello, il reste frustré par rapport à sa course de l'Interquino. Mais il était bien remonté, hein. Oui, oui, bah, oui. Ça aurait pu être pire. Niveau... Ça aurait pu être pire. Mais bon, faire 2, 3, 4, c'est vraiment pas mal, hein. C'est ce qu'il fallait faire, de toute façon, assurer les points et on gagnait. C'est ce qui s'est passé. On nous annonce la météo sec en qualif et sec en course. Oui, j'ai vu ça. C'est important de le dire. Titi, je sais pas si on peut partager le lien, en fait. Si, tu peux faire, il faut partager la chaîne en elle-même. Partager la chaîne, en fait, c'est la chaîne qu'il faut partager. C'est pas comme sur YouTube. Nous avons qui en tour lancé? Matt, non. Nico, non, il va rentrer. Matoum, peut-être qu'il termine son tour là. Il est en tour de sortie là, il va se lancer, Matoum. Il se lance, ah oui, exact. Il se lance. Il y a Hachi qui est en rouge. Hachi. Et Velcroz. Ah là, ça patine. Velcroz est en tour de. Hachi était pas très très confiant, hein. Il est. Il a pas énormément, c'est pas énormément entraîné, mais c'est un bon pilote de toute façon. Ouais, t'es vraiment au sein du voyage, t'as des infos gérer. Et tout. Ah oui, moi je vais voir les pilotes. T'as mené partout, course. Toi. Ah oui, oui, moi je fais mon travail, j'ai un dossier, hein. J'ai des dossiers sur tous les pilotes. Bon, Hachi a coupé, ouais, il a lâché son tour. Ah, Velcroz qui arrive dans la chicane. Il y en a certains, je roule avec eux depuis 3 ans, hein. Donc. Lordium, Matt, Widi. Oh là! Et avec certains, j'ai roulé dans d'autres championnats et sur d'autres jeux. Même. Dixième temps pour Velcroz. Maka qui ne sort pas. Monsieur drapeau bleu. Il a peut-être froid, hein? Non, mais là, il a ah, il vient de rentrer. Ah bon? Ouais, il rentre. Je vois les mécanos qui rentrent la voiture. Non, c'est pas la sienne. C'est celle de Hachi. Il vient de rentrer Exact. Au stand. Non, Makarov, là, il est en train de prendre l'apéro avec les mécanos. Ouais, bah, il a bien raison. Ouais, c'est... Ils ont le temps, le 14, c'est mon chiffre. Donc, Alors, Maka, il m'a annoncé quand même qu'il ne faisait pas les qualifs. Ouais, il veut partir dernier. Oui, parce que en fait, il sait même pas s'il va finir la course, parce que depuis ce week-end, il est très, très malade. Il est pas bien du tout. Grosse performance à lui d'être là ce soir. Et il m'a dit que si jamais il n'arrivait pas à tenir le coup, ben Nico, en flagrant délit, il a coupé la chicane. Ouais, il rentre au stand la foule. Et il rentre au stand très très fort. Oh, le tricheur. Ah, il se fait gêner par l'ordium qui sort. On appelle ça le karma. Ouais. Tiens, t'as voulu gratter du temps. Ah, pas si cool, il est parti. Ciao l'artiste. Bah, pourtant vous l'avez rajouté dans la vocale et il est pas venu. Donc... Peut-être qu'il n'arrive pas. Je sais pas. C'est Titi qui l'a fermé à clé la cabine des commentateurs. Il a acheté la clé par la fenêtre. Hop là, sur la piste. Ayrton ressort pour un deuxième run. Bah alors Widi, qu'est-ce que tu fais? Il est à la chasse d'une McLaren. Aussi. Martin, il rentre tous les deux au stand. Ça va y faire un bisou là. Et ça. Ouais, non, mais ça ne m'étonne pas. Velcroz qui rentre au stand. On a juste Natoum. Qui va se lancer. Il va rentrer. Non, il va rentrer, ouais. Il a dû se rater, il rentre. Ou ça va être dur de rentrer et de ressortir là. Il n'a que deux voitures sur la piste. Il reste 3 voitures. Ah, ça y est, tout le monde se lance là. Il reste 2 minutes. Et le prochain qui va faire son temps sera Roby, du coup, qui vient de lancer son tour lent. Il y a Roby, il y a
Martin Roby dans la foulée. Roby et Martin. Ouais, ils se suivent au classement, ils se suivent sur la piste. Pas dans le même ordre, mais... Oh, il roule bien, hein, Martin. Il roule bien. Je mets sur Roby, hein, si jamais. Pour... Il roule très bien. Okay. Pour vous dire quand est-ce qu'il arrive. Bon, avec les échos qu'on avait eu de lui, Martin. Ah, dommage, tour annulé. Aïe, 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 les mandades. Et il a pas mordu de loin. Non, mais pas grand chose. Pas grand chose. Roby, lui, ça passe pour l'instant. Oui, pour l'instant, ça passe. Oui, mais Roby, dans le métier, on l'appelle monsieur propre. Hein. Ouais. Roby. Ah, c'est un habitué. Oh, Widi qui a cassé la voiture. Bon, bah, il est quand même quatrième. Oui, mais Matt va améliorer. Matt Natum peuvent passer. Benny aussi. Il est. Il est pas mauvais. Ah, Roby. Ah oui. Dans le 130R. Sortie large dans le 130R. Bon, il est obligé là. Il faut relancer, Roby. Faut relancer. T'as assez de RS. Il a 52 RS. Ça passe. Oui, mais ça passe deux tours. Ça passe. On relance un tour, notre ami Roby. Par contre, ils sont tous lancés là. Hein. Barry qui vient de se lancer. L'Ordium qui va arriver. C'est ça. Avec une McLaren devant. Martin aussi, Benny. Il faut s'enlever. Bien joué. Il l'a aidé. Il l'a aidé avec la SPI. Oh les vilains. Il y a Martin qui relance son tour aussi. Il y a tout le monde sur la piste. L'Ordium. Non. Il n'a pas amélioré. Non. Pourtant, il prend le troisième secteur. Nico qui vient de se lancer. C'est terminé. Donc maintenant. Matt. Atomic qui abandonne aussi. Oh, ça va très vite, hein, l'erreur. Hein. Ah ouais, j'allais le mettre L'Ordium sur, aussi. L'Ordium, non. Il n'a pas abandonné. Ouais, il a mis. Il a fini. Il a été mettre la session. Non, bah, il a été mettre la voiture dans le mur. C'est un habitué, hein, L'Ordium. Hein. Il avait fini sa qualif. Il aura une voiture neuve. Natum qui a fini. Toujours sur Roby. Matt qui va en finir. Barrichello qui améliore. Barrichello. La dixième. Il va faire toute la différence. Matt, deuxième. Matt qui passe. Et voilà, Matteo qui est passé. Nico. La piste est réchauffée. Il y a encore Nico en piste. Est-ce qu'il va améliorer le secteur 2? Et Roby qui n'améliore pas. Il est 13ème. Il y a Martin qui suit Nico dans la foulée, hein, au niveau des tours. Et dans la foulée, vous aurez Béni. Directement sur lui. Ah non, Béni qui relâche. C'est mort. Allez Nico. Il est en panne d'essence. Nico. 25-8. Il fait meilleur. Waouh, là. De très peu. Martin qui a été au stand. C'est bon. Béni qui est encore. Il n'y a plus que Béni. Première course. Benny s'est arrêté au début de la ligne droite, il a coupé. C'est. Bah Martin, 11ème, il part en pneu neuf, hein, la 11ème place. Voilà, quand t'es pas devant, la 11ème place, c'est une très bonne place. Hein. C'est pas mal. Benny, ouais, qui n'a pas amélioré. Bon, bah les qualifs sont finis. Encore une pole position de Nico. 3ème de suite, c'est bien ça? Ouais, 3ème de suite. Tu ne trompes pas? Ah ouais, Nico, c'est. Troisième de suite et puis deux courses d'affilée gagnées. Peut-être la phase de 3. Peut-être la troisième, il en est capable. Mais Barrick va pas se laisser faire, attention. Hein. Ouais, puis Matt a l'air aussi assez dans le coup. Oui. Barrick, jeudi, il était bien. 40 millième Barrichello sur Nico. 87 millième Matt. Il y a les trois premiers. Regarde, et les chronos. On a 270 millième. C'est juste impressionnant. Avec même les cinq premiers. Hein, les cinq premiers. On va avoir un duel top team. Les sept premiers sont dans la même seconde. C'est juste impressionnant. Et les six premiers, t'as vu, c'est les trois top teams. Hein. Red Bull, Ferrari, Mercedes. Red Bull, Mercedes, Ferrari. Les top teams, ils sont là. Ah, bah, de toute façon, ouais. Le top 6 est bien représenté par les top teams. Oui. Ça a fait des bons chronos. Tu vois, je t'avais dit dans les 1.25. Je t'avais dit. Moi, les pitchous, je suis pas certain de rester jusqu'à la fin. Ah bon? Parce que. Voilà.
des horaires qui sont très très durs. Ce matin à lever 3 heures, demain matin. C'est un circuit heures. Qui est quand même rapide, Titi, je pense. Celui-là. Ouais. Si, mais c'est gris. S'il n'y a pas trop c'est de crash. Bien gris, hein. Ouais, oh là mais là, bon, bah, y a, on dit pas de pluie, mais nuageux, donc météo dynamique, la pluie pourrait arriver. Les 3 minutes de. Les 3 minutes d'attente là dans les stands, stratégie. Oui, il faut faire attention de ne pas appuyer. La dernière fois, Atomic il n'a pas fait attention la semaine dernière. Il n'a pas fait exprès, il s'en est excusé. Bon, bah, on a une jolie petite qualif quand même. Hein. C'est bah, ça, comme d'habitude hein. Finalement. Très serré. Ça commence, ça. Très serré. On va essayer de faire pareil demain soir. Mais pas sur le même circuit. C'est vrai. Ouais, bon, on a fait une petite séance qualif tout à l'heure avec Romsi et Yoda, on n'était pas très loin. Bon, on n'a pas fait toute la séance et une vraie séance, mais on compte s'amuser demain soir. Mais j'espère pouvoir m'amuser aussi. Est-ce que tu t'es entraîné? Ouais, au volant et tout, comme il faut. Parce que nous, oui, on s'est bien entraîné. Bah, tu vois, quand on... je sais pas si on peut voir comment on peut voir s'il y a du monde sur le. 6, 7. Sur le. Sur le live. Ouais. En bas, sur le titre, il y a le timer du début et à côté, il y a un 7. Je crois que c'est ça. Hein. Je suis pas un habitué aussi. Moi, je vois pas. Je vais te dire, moi, je suis sur la version de PC. Moi aussi. Je peux. PC. Ah. Attends. Tac, 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 tac. Ouais, 7 spectateurs. Ouais, Romsi, grosse course demain soir. Romsi. J'ai une revanche à prendre sur toi. Romsi, on t'aime, mais pas trop non plus. Non. Moi, je l'aime bien, mais quand il est derrière. On t'aime. À la fin, merci Noël. Yoda aussi, je l'aime bien, mais lui, c'est encore mieux quand il est dans le mur. Il sait bien le faire tout seul. Makarov nous a dit sec du début à la fin, mais je suis comme Saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. On peut pas de diminuer la qualité. Salut, c'est Ayrton. Il est sur la piste. Belle petite qualif. Je sais que c'est pas facile quand même, mais bon, tu tiens le coup quand même. Bravo à toi. Les pilotes sont en train de faire la stratégie. Et c'est bien couvert quand même. Hein. Voilà, on arrive à la fin de ce championnat. Déjà 18 courses. Demain soir, on a rendez-vous avec le groupe 2 sur l'H. Et exceptionnellement mercredi, on a course groupe 2 en Russie. Et la semaine prochaine, eh ben, on repartira normalement. C'est avec le groupe 2 qui roule au Japon. Et dans 15 jours, le groupe 1 qui roulera. C'est quoi après le Japon ? Mexique ? Ou États-Unis, je ne me souviens plus. Voilà. États-Unis. Ah, ça a appuyé. Ça a appuyé, ouais. Voilà. Les pilotes vont chauffer leurs pneus, se mettre sur la grille de départ. Alors, on a personne en jaune à part Maka. C'est énorme. Oui, Maka. Bon, il a eu la bonne idée, mais je pense que 11, 12, 13. Aurait dû mettre les jaunes. Parce que dans 10 tours, s'ils arrivent à suivre, dans 10 tours, ils ont l'avantage. Bon, en fait, il n'y a que Maka qui est parti en jaune. Après, il y a la température aussi, vu que c'est nuageux. Mais bon, les pneus, normalement, c'est pas trop un problème de température ici, surtout quand la température est basse. En fait, on a une Red Bull, une Ferrari, une Mercedes. Red Bull, Mercedes et Ferrari. Les trois top teams aussi première place. Après on a Benny, belle 7ème place, Atomic pour son retour pour la Renault.
en Shirokou. Velcros qui nous revient après deux ou trois courses d'absence. Pas deux ou trois courses, Titi. Velcros, on l'a pas vu depuis le début de l'année. Velcros ? Ouais. Et quand je l'ai vu là dans la semaine, c'était depuis le début de l'année. Ah ouais ? Autant, oui, oui. Ça, putain, ça passe vite. Depuis la course du 7 janvier, je crois, Autriche, je crois. Ah, ça bah, fait écoute. Plusieurs mois, ouais. Bah, en arrivant dans la bocale, je lui ai dit « Oh, ça fait au moins 3 mois qu'on t'a pas vu », puis en y réfléchissant, ouais, ça fait 3 mois. Bah, c'est bien de le revoir. Donc après, on a Martin sur l'AlphaTauri, nouveau venu. Ayrton sur la Haas, Robbie One sur la Renault, et notre ami Makarov qui n'a pas fait de qualif, qui est 14e sur l'Alfa Romeo. Il veut pas être 15. Ah bah oui, il manque Adrien. Ouais, bah c'est trop tard pour lui là. Hein. Ah là, c'est fini. Là. Mais il méritera de se faire engueuler. On va le faire. On va le faire. Bon, Maca va se mettre en place. Oh là là, les caméras de départ. Hein. Oh là là. Ça va partir. Ouais. C'est parti. Et voilà. Matt a pas pris un très très bon départ. Matt qui perd deux places. Ah oui, là. Oh bah ça m'a enlevé. Les deux Mercedes côte à côte. Quoi qu'ils se gênent. Pas de mort au premier virage. Oui, oui, oui. Juste Ayrton qui a très perdu. Très bel envol d'Atomic Cruiser. Oui, 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 oui. Atomic, très bon pilote. Hein. On n'avait pas vu, il allait quitter, mais. Mais il a un client aussi hein, derrière lui. Hein. Batum. Départ très propre. Oui, deux places Martin. Et une troisième. Ah. Bon, ça laisse la place, c'est très propre. Bon, on sait qu'on va avoir notre classement qui va être modifié d'ici un ou deux tours. Oula. D'habitude. Ouais. Il s'est resserré sur. C'est serré sur les trois là. Attention au freinage les gars. Très bien, très propre. Ah bah non, c'est classement. Oui. Ne t'inquiète pas. Au fond du classement, je dis non, c'est pas vrai. Pourquoi tour 3 ? DRS activé. Non, mais c'est marrant. Oh, une Red Bull. Aïe, 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 Nico. Nico Ota. Nico qui a glissé. Il est obligé de laisser passer tout le peloton. Cette fois, c'est pas un bug. Hein. Et pourquoi tour 3 ? Il y a un bout de l'Euro qui est en bas. Ils ont pas fait 3 tours déjà ? On s'est endormi. Ça va se remettre en route. Ça va se remettre en route. J'ai vu DRS activé. Aïe 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 Nico. Oui moi aussi j'ai vu. C'est dommage pour Nico. Bug du jeu. Ah bah là il va falloir qu'il crapahute hein, parce qu'il doit rentrer au stand, changer l'aileron parce qu'il a un bout d'aileron cassé. Et puis j'ai les drapeaux bleus qui sont agités. Ouais mais ça c'est à cause du classement. Il doit bien s'en vouloir. Hein. Là oui, il a glissé dans le premier virage. Ouais, il va refaire encore facile au moins 25 secondes. Mais j'espère que le classement il va se remettre à jour parce que. Il faut attendre qu'il passe. Parce que je comprends pas là, tour 3, c'était le premier tour. Ils ont un tour sur leur pneu, mais on est tour 3. Bah, j'espère que ça va se remettre. Le monde est merveilleusement bien foutu, hein. Ah non mais c'est Bugmaster hein, c'est regarde, ça va pas changer. Bravo Ayrton. Ayrton qui nous dit pas facile mais j'apprends. Bravo Ayrton. On est tous passés par là. Oh oui alors. Atomic, 5e. Et voilà Nico stand. Le classement tour 3 n'importe quoi. On est au tour 2 seulement. Ouais.
on verra, ça va peut-être se mettre à jouer. Bah ouais, non, mais on va faire avec. Hein. Les jaunes. Il a tapé, il a été tapé le mur. Et oui, il a touché. Ah là 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 là, dommage. Tu vois, je pense que ça le fait pas. Mais... Oh, il va tout faire pour remonter. Hein. Essayer de remonter parce que devant. Ayrton, déjà 3 secondes. Ah, dommage. Voilà, mais la course est longue. Ah, puis sur ce circuit, il faut faire attention. Non, ça va, sur ce circuit, ça va. Une pénalité ? Ouais, ouais. Bah, jeudi, Romsil en a pris une à cause d'une petite sortie. Moi, j'ai rien pris. Yoda non plus. Yoda, je suis plus sûr, vu qu'il avait fait un tête à queue. Ah, Nico, il a le couteau entre les dents. Ouais, mais allez, 30 secondes, le pauvre. Widdy qui fait signe à Matt dans la ligne droite, je suis plus rapide, laisse passer. Allez. Mais ils ont le DRS d'activer. Alors que. Ouais, tu vois, ça marque pour 4. Il y a eu un bug encore une fois. Mais... Ouais, bon, on va faire avec. Hein. Il y a un tour de décalage. Tant que ça leur fausse pas la course. Shiroku qui a doublé Delcroze. Avec le DRS. C'est Lorient qui a pris la tête là. Ah, il a doublé Barrick, je l'ai pas vu. Ouais. Moi non plus, j'étais pas dessus. Ah, dommage. Ouf, Barrick qui allume les pneus. Je sais pas si c'est. Il me semble que c'est Atomic Warrior qui a doublé Matoum. Non, non. Non, non, ils sont comme ça depuis le départ. Il en a tout derrière lui. Il était 6ème et Nico est parti et il s'est retrouvé 5ème. Bon, Nico, il a déjà repris 2 secondes sur Ayrton. Hein. Il a 42, là, avec son arrière-stand, il a 42 secondes du leader. DRS, est-ce que Barrick va tenter? Non, il est peut-être un peu loin. Lordium va se protéger. Non, il tente pas le diable. Beau petit tir groupé là. Les deux Mercedes, une Ferrari, une Red Bull. Non, mais là, Nico doit avoir le couteau entre les dents. Il doit dire tant pis, j'ai rien à faire, je donne tout. Il peut tout se passer hein, dans ce Grand Prix. Hein. Ah bah, une safety car, une safety car, un bon arrêt, ça le remet dans la course. Hein. Atomic Weather, 3 secondes. Ah. Et on a Martin, 8ème. Hein. Nico, meilleur tour, en jaune. Ah, il est énervé là. Là, il est énervé. Ah oui, il est énervé. Ah, oui, là, il se fâche. Énervé. Là, il se fâche, Nico. Il est un petit peu Martin là, voir un petit peu ce que ça donne. Il suit bien. Ouais, il est 8ème, hein, il suit le rythme de Benny. Parce qu'il a passé Velcroze et il prend de l'avance. Mais tu vois que pour l'instant, au vu du début de course, il a sa place en groupe 1. Salut notre ami Yoda qui arrive sur le live. Il manquait plus que lui. C'est normal, il fallait qu'il prenne sa soupe, qu'il se mette le petit suppôt, maintenant il se met au lit. Ah, il ouais, non, sa soupe. Sa soupe, Yoda, c'est plutôt l'apéro. La soupe. Barrick sur Lordium, il va tenter. Il tente. Barrick reprend son dû. Il reprend la tête. Martin. Un bon rythme, hein, tu vois. Il a largement le niveau de Martin. Ah oui, très bien. Ouais, oh, il a un bon rythme. Ouais. De toute façon, notre ami Gassner, il m'en avait parlé. Bah, hein, c'est ça. C'est au message que Gassner t'a envoyé, c'est que il a pas dit ça inutilement. Hein. Gassner, non, il,
il en a pas vu que deux des pilotes passer. Il connaît le niveau, il connaît notre championnat. Ah bah complètement. D'ailleurs, au passage, Sébastien Ertug nous rejoint. Oh, bienvenue. Pico qui remonte tout doucement sur Ayrton. Bon, c'est pas facile, hein, mais il remonte. Tour, oui. Tour. Bah, j'espère qu'il l'aura pas voulu voler à eux aussi. Avec moins d'une seconde. Ça n'a rien faussé. Hein. Pilote dans la même seconde, quasiment. Ah oui, non, mais là les quatre, ils se lâchent pas. Hein. Il y en a tout. Il y a tout, ouais. Pression sur, il va passer, je pense. Hein. Atomique a une grosse vitesse de pointe. Ah ouais, non, mais Atomique. Il se décale à l'intérieur. S'il prend l'intérieur, il peut garder l'avantage, Atomique. Non, il a été propre et Natum est passé fort à l'extérieur. En même temps, sur ce virage-là, ouais, si tu restes à l'extérieur, tu peux passer. Tu peux freiner très tard. Oui, mais il faut que l'autre pilote qui est à l'intérieur te laisse la place. Bon, à un moment, c'est plutôt ton museau, enfin son museau qui risque que le tien. Oui, mais si tu touches le train arrière, tu pars en tête à queue et c'est dans le mur. Hein. Ouais, Velcroze. Velcroze. Ah là là, Velcroze. Dommage, il a rien cassé. Il a rien Nico cassé. Nico va pouvoir vite lui remonter dessus. Bah Nico arrive. Ouais, il a encore un peu d'avance, mais... Ouais. Ouais, de la mini... La carte, là, hein. La petite carte, là, Nico. Tout de suite, quand j'ai vu le drapeau bleu, j'ai vu qu'il y avait la McLaren qui était... L'Ordium, très proche de Barry. Est-ce que la tête va encore changer? Allez, Ordium, un beau freinage. Belle accélération et tu repasses. Là il est très proche. Il est très proche. DRS, pas de mode dépassement par contre. Non, il veut rester derrière. Il reste derrière. En fait, il lui fait dépenser. Pour prendre notre ami Barrick. Ouais, il le fait dépenser à Barrick. Il fait dépenser son ERS à Barrick. J'avais une 2 CV sur la Red Bull. C'est juste impressionnant, la caméra elle était sur la roue avant droite et on voyait les côtes de frein. Bien rouge comme il faut. On voyait tous les mouvements de roue. Regarde la température, ça monte à 1000 degrés je crois à peu près les freins de volant. Rouge. Ouais, sur des gros freinages ça monte à 1000. Ouais, c'est 1000 degrés. Je mettrai pas les mains. Sur les pneus, tu fais cuire des pâtes. Hein. Parce que les pneus chauds, c'est 90 degrés. Les pneus à température, c'est 90 degrés. Hein. On signe d'écurie chez Alpha. Ah. Macaque a laissé passer Hachi. Ouais. Oui, bah ça, c'est pas étonnant de Maca. Ah, et l'Ordium, il va ici tout. Il va essayer de se rapprocher. Parce que l'Ordium va réessayer. Les deux Mercedes suivent derrière, mais. Je sais pas si Weedy est plus rapide que Matt. C'est vrai qu'il y a 53 tours, il paraît que c'est long quand même, mais ça passe extrêmement vite quand même. Hein. Ils sont déjà dans le 8ème là. Enfin, le 7ème pour eux, il faut regarder les pneus. Ils sont en train de s'observer, après il va y avoir la stratégie stand. Nico, il va y aller leur dôme là, je crois. Non, trop loin. Oh non. Oh Toto, là. Non. Il impressionne. Et confiance. Idée, et confiance. Avec l'Ordium, on s'est fait une soirée multijoueur, on s'est amusé. Hein. On a fait Spa l'un à côté de l'autre, tout le circuit. Hein. Et on s'est pas touché une fois. Natum qui s'est fait doubler par Atomic. Belle petite bagarre là, tous les deux aussi. Ouais, bah ils vont s'amuser au DRS. C'est bien qu'il y ait de la bagarre comme ça. Et puis il y a Martin qui arrive sur Benny. Hein. Ah oui, il y avait 2 secondes. Ouais, il remonte fort. Hein. Ou Benny a fait une petite erreur. Benny a fait une petite erreur. Ouais, mais ça m'empêche quand tu regardes, on voit ou bien les pneus. Le centième, tu vois. Les 8 centièmes, 6 centièmes, 4 centièmes. Oui, les pneus. Les pneus.
Benny a plus beaucoup de RS, hein, il l'a utilisé. Hein. Il est sorti l'argent en plus là. Alors que Martin il a 73-74. Oui. S'il se rapproche bien. Ah bah là il a activé pour lancer un peu la machine. Il va peut-être pouvoir tenter sa chance. Ah, il y a Ferrari devant, par contre, ça va y aller. Hein. Ouais. Au bout de la ligne droite, il est déjà côté. Ouais, c'est passé. C'est passé à l'ERS. Je remets sur Martin. Tu verras que ça, ça va. Quand on a les 4 leaders, mais on va avoir les 4, 5, 6, 7 et 8. Par groupe de 4. J'avais pas vu Roby qui est remonté à la 9ème place. Oui, il est parti avant-dernier. Bon, il a quand même 12 secondes de retard sur Martin. Oui. Et on a Shiroku, bah, la bataille hein, éternelle. Oui, Hachi, Hachi Roby, c'est. Ça fait quelques temps. Velcro au stand. Premier à s'arrêter. Bon, devant, il ne se lâche toujours pas. Et Velcro, qui a une position de conduite cockpit. Oui, du cockpit. C'est un des rares qui fait le cockpit. Ouais, je trouve ça compliqué. Hein. Je trouve ça compliqué. C'est beau, hein. Franchement, c'est super chouette. C'est immersif. Hein. Mais moi, j'y arrive pas. Ah, Matt, 3 secondes. Voilà, Matt et... Widi est passé sur Matt. Widi était derrière, mais bah, et à ce que je vois, Widi est plus rapide. Hein. Ça y est, très rapide, hein, Widi. Hein. Et encore une fois, il nous a dit tout à l'heure, il nous a dit quoi avant la course ? Oh, je suis pas bien hein, sur circuit, hein, regarde. Mais il nous dit ça à chaque fois. Shiroku qui a passé Roby. Allez, Widi, t'as une vraie voiture. T'as la meilleure voiture. Va aller chercher. Bah, il largue un peu Matt, hein, malheureusement. Et Nico, il a déjà repris 14 secondes hein, sur Ayrton. Hein. Là, il fait pas semblant, hein, le Nico. Alors, je vais juste regarder l'écart. Chose, tu vois, il était à 42 quand Nico est ressorti, il était à 42 secondes de Barrichello qui vient de doubler l'ordium. Encore. J'étais sur Atomic qui est dans le DRS, qui ça va repasse. Peut-être Atomic qui va repasser Natum. Et oui, il repasse. Et l'ordium qui a repassé Barrichello. Décidément. Ah là, c'est les trois leaders du championnat devant là. Ah bah il y a les points à prendre. Hein. C'est les trois leaders là. Là, c'est la tête du championnat qui se joue. Hein, parce que c'est très serré entre Barrick et l'Ordium. Barrick premier, 3 points. Il a perdu la tête. Oui, non, mais l'Ordium est deuxième à 3 points de Barrick. Et derrière, c'est Widi. Ah et merde, Matt. Ah mince. T'avais envoyé plusieurs invites, mais je te conseille de lui en renvoyer une petite. Je vais en renvoyer une tout de suite. Tu renvoies ou je peux? Bah non, moi ça va couper. Oui. Voilà, c'est. Comme en Russie, avec sa, malheureusement. Sa connexion en carton. Hein. Ouais, ouais, c'est dommage pour lui. Ah, Martin, 3 secondes. Oui, mais tu verras qu'il y en a beaucoup qui vont en prendre. Hein. La course est encore longue. Oula, il est bien sorti, l'Ordium. Il sera sûrement pas attaqué.
tu vois, il y a Luigi qui est là. Hein. Oui, oui, bah, il est revenu, hein, très rapide. Hein. Donc, très rapide, le Luigi. Il toque à la porte. Par contre, t'as vu un peu cette déco, ce que ça fait dégringoler Matteo. Bon, il est toujours 4. Il a perdu 2 secondes. Bah, c'est ça, en fait, Titi, que je veux. Il va Matteo. Oui, oui. En espérant qu'il rattrape vite sa voiture, mais il doit être vert de rage. Ouais, c'est déjà arrivé pour lui en Russie, dommage. Mais c'est pour ça que je te dis de pas mettre les IA trop bas, parce que ça pénalise trop, c'est pas de sa faute s'il est déco. Ah mais faut pas non plus que ce soit assez fort pour que le mec, des fois, genre, un virage qu'il maîtrise pas, il se met en pause. Et là, sa voiture, en fait, elle était tellement... Si on les met tout bas, comme nous, on les met à 40 dans le groupe 2, quand il y a une déco, la voiture, elle est trop lente, tu perds du temps derrière. Ah mais tu veux la mettre à combien? Eh ben on la met plus élevée, là, elle est à 70. 70 pour le groupe 1, il roule en 110 hein. Quand il roule ouais mais regarde d'un côté faut que ce soit quand même pénalisant parce que regarde imagine bah maintenant non, moi mais pourquoi pénalisant il a une déco, c'est pas de sa faute. Matt on le sait, imagine, c'est pas de sa faute. Il a perdu du temps mais pas énormément. Pour une déco c'est pas de sa faute, mais imagine maintenant je sais pas hein, faut que je trouve un truc un virage compliqué le virage du château à Bakou. J'arrive pas à le prendre. L'IA est assez fort, dès que j'y arrive, je me mets en pause, l'IA il me le passe et je reprends la commande derrière. Eh ben fais ça, je perds pas trop. Ne fais pas ça avec un pilote derrière toi parce que... Ah ouais mais... Widio stand. Ouais, Widio stand. Ah oui, oui, oui. Il vaut mieux pas qu'on s'en aperçoit un truc comme ça, parce que ça peut être grave de conséquences. Ouais, mais en mettant les IA assez bas, tu empêches cette possibilité. Oui, mais justement... On les met plus bas. Soit... Règlement, on ne peut pas se mettre en pause. Voilà, tu ne mets pas si pause. Si on espérait, ça va jusqu'à l'exclusion. Hein. Ouais, voilà. Mais tu t'en as toujours qui vont pouvoir chercher le. Mais personne ne le fait là. Tu parles d'un truc que personne ne fait. C'est ça le problème. Mais moi j'ai déjà vu des. On fait ça des pour la gêne. En Italie, la voiture de Baric a été déco vu qu'il avait une surchauffe de sa console. Ah j'étais là. Et. Ouais. Natoum a été tapé lié de barrique parce que lié était très très lent. C'est ça qu'on voit nous, c'est pour la course. Pas le fair play du pilote d'appuyer sur option. Ouais mais malheureusement ouais. Nous c'est le bien de la course. Non, on connaît tous les pilotes, ne t'inquiète pas, ils vont pas appuyer sur option. Surtout oui, avec un lié à 70 hein. Mais dans le groupe 2, t'inquiète, on le met moins fort hein. Je t'assure que je vois un truc comme ça, je peux t'assurer que là je suis intransigeant. L'année dernière à Monaco, il y a un pilote qui l'a fait. Il a été déclassé. C'est purement et simplement de la triche. Voilà. Donc je t'ai oui, mais justement. C'est vrai que les IA, quand elles sont assez basses, bah, tu évites ces problèmes. Parce que le mec, même s'il se met en IA, il perdra du temps. Allez, Barry Constant, aujourd'hui on le suit. Est-ce que Woody va passer devant? La il a tenté le. Je suis sur Widi pour voir si ça passe, mais le truc c'est que. C'est qu'il a pris 3 secondes. Oui, il a pris 3 secondes, mais. Il va passer, je pense. Il va passer et largement. Ouais. Widi a bien joué. Martin, deuxième. C'est bien parce qu'il va lui faire un bouchon. Natoum n'est pas rentré. Mais il a une jolie troisième place pour lui. Ouais. Là, il va faire bouchon un petit peu pour Widi. Il y a Yoda qui nous dit « Qui a dit manger ma soupe et un suppôt ?» C'est Crotosaur. Moi, je veux pas balancer, mais c'est Crotosaur. C'est Mika, mais il est pas cool en ce moment, je parle. Non, mais il sait ce que je pense, mais j'ai pas le droit de le dire. Ah. Il faut rester correct. Je lui ai même dit de faire attention dans le chat, parce que... Oui, c'est vrai que sur Twitch, faut faire gaffe. Mais il va entrer au stand. Luigi qui a pris la tête. Il a fait un beau undercut. Natoum devrait y aller, mais bon, s'il gère bien ses pneus... Bon, après, là, il commence à perdre du temps. Hein. 15 tours... Enfin, 14... Et Martin aussi, hein, ils vont rentrer tous les deux au stand. Hein. Oui. Baric, juste derrière Martin. Baric va peut-être perdre... Il faut qu'il passe vite. Hop, il a perdu la voiture. Est-ce qu'il s'écarte ou... Non, il s'est écarté. Je pense qu'il s'écarte, ouais. Il a respecté les consignes de... Bravo, Martin. Voilà. C'est le leader du championnat, donc non, mais pour l'instant il n'a pas à rougir, il fait une très bonne course, Martin. Bon, c'est vrai. Et Nico qui arrive pas à remonter, hein. Ça remonte tout doucement, mais c'est pas. Oui, mais il avait quand même 30 secondes à remonter, Titi, hein, sur Ayrton. Attends, hein. Je vais regarder ce qu'il en est par rapport au leader. 30 secondes, hein. Ça roule quand même un petit peu, hein, Ayrton. Hein.
Surtout que, surtout que lorsqu'il est rentré, les autres devant étaient en rouge 9, donc ils ont... Et oui. Ceux qui sont moins bons que lui en rouge 9 allaient quand même moins vite, mais pas aussi moins vite que si ils avaient les mêmes pneus. Moins vite, pardon. Moins vite, mais pas trop non plus. Voilà, mais Martin attends, qui c'est gêne pas aussi quoi. L'ordium. Ouais, attends là. Bravo Martin. Bah, Widi va risquer d'aller le chercher le meilleur tour. Hachi, 3 secondes. Ah. Le grand gagnant pour l'instant, c'est Widi. Hein. Ouais. Ah, bah, il a gagné 2 places, hein. Il a gagné 2 places. Par contre, Matt, le pauvre, il est rentré au stand. Mais j'ai pas fait attention. Sachant que Nico a 2 avertissements déjà. Donc, c'est qu'il est vraiment à l'attaque. Oh bah là, c'est sûr, il est déchaîné. Il veut remonter. Hein. Après la victoire, tiens, je t'avais dit quoi, 8-10 meilleurs tours, voilà. Barrick. Bah, Widi qui fait, Barrick qui le fait. Ouais. Bon, Nico, il a 12 tours avec ses pneus médiums maintenant. Hein. Oui, et puis il l'a fait avec beaucoup plus d'essence. 12 tours, c'est quand même beaucoup d'essence, hein, Titi. Hein. 16e tour pour les pneus avec Natum, Martin, Ashiruku, Robiwan et Makarov, ainsi qu'Ayrton Senna. Et là, je pense que c'est le moment d'aller au stand, là, hein, les rouges. Hein. Ouais. Parce qu'il perd beaucoup de temps. Hein. Velcro, 3 secondes. Ah. Après, il y en a tout, mais il est quand même assez économe au niveau de ses pneus, hein, franchement. Oui. Mais il perd du temps, là. Il nous fait, fait des belles stratégies. Hein. Bah, le seul problème... Qu'une seconde, hein, oui, mais il est en train de perdre contact. Il a qu'une seconde. Hein. Il était en bataille avec Atomic Weather. Atomic Weather, pour l'instant, il va ressortir loin devant. Natum, il assure certains points par rapport à Barrichello. Pour le constructeur leur team. Ouais, pour le constructeur. Bah, surtout que là, Nico est loin, hein, donc c'est l'ordium hein, pour Red Bull. Hein. Bon. Est-ce que Natum va rentrer au stand? Toujours pas, ça continue. Martin, est-ce que Martin va y aller? Martin aussi, est-ce que Martin va y aller? Il y a Ashiruku aussi hein, qui est en soft. Ouais, Ashi, c'est normal. Ce non, Martin n'y va pas. Martin n'y va pas. Et Ashi. Ashi non plus. Bah, lui, il aime bien. Le Ashi, ouais, il a un contrat avec Pirelli. Lui. Les pneus, il les use jusqu'à la toile. Il va rouler sur la. Ah ouais, non, mais l'année dernière, il en faisait des tours entre les pneus. Des fois, c'est bien. Il est assez économe. Hein. Des fois c'est bien, mais allez Nico, 3 secondes 6 sur Maka. Maka va s'effacer gentiment. Barrichello lui dit, ça va arriver. Et il y a Maka qui met une belle pression à Robbie. Hein. Ouais. Il n'est pas encore rentré, Roby? Non, il n'est toujours pas rentré. Mais Maka, c'est bon, ça, il est en... Mais c'est, voilà. Il est en médium. Mais là, Roby, il est en train de voir que il faut qu'il rentre. Maka, il a ses médiums du début également. Oui, mais les médiums... Ah, c'est en train de payer. Les médiums à 17 tours, c'est bien. Barrichello, il est remonté à une vitesse sur Woody. Il est pour attaquer, là. Hein. Oui, ça va attaquer. Ça va attaquer dans la ligne droite. Ah, il est mieux sorti, attention. Voilà, DRS ouvert. Oh, ça va être chaud. Non, Widi, là, Widi a envoyé la sauce. Ouais, il a plus de RS. L'ordium a perdu le contact. Oui, je pense que Martin, il a pas un système. Ah, Martin. Oh, tête à queue. Les pneus. Attention quand tu reviens en piste. Il n'y a plus personne seulement. Non, si, il y avait Hachi.
Dommage. Il y avait Hachi et il y avait deux voitures derrière. Mais bon, Martin, il a rien à gagner là. Hein. Non. Mais les pneus, juste, il aurait dû rentrer bien plus tôt. Juste à prouver sa valeur. Oui, pour l'instant, il avait fait un très bon début de course. Mais les pneus. Ouais, combien il a 18 tours. Ouais, c'est beaucoup comme trop Matoum, en fait. Hein. Matoum, Obi-Wan aussi. Tu vois, Makarov. Qui a doublé Maka. Non, je pense que voilà. Non, ils sont écartés, ils ont pas insisté. Oui, ils laissent passer. Pas la même stratégie, pas les mêmes pneus. Je suis pas sûr que Obi l'ait laissé passer parce que vu le freinage qu'il a fait, il était plutôt surpris de l'attaque et il s'est. Obi connaît Nico. Ça y est, Barrichello est passé. Ouais. Là il va s'envoler je pense. Non, Widi va pas le lâcher. Moi je pense qu'il va s'envoler. Natoum Bah il fait Oui mais il perd du temps là. Il oui, perd beaucoup il travaille pour Barrichello. Martin au stand, bon enfin. Alléluia. Malheureusement le tête à queue lui a fait perdre beaucoup. Par contre il fera qu'un seul arrêt lui. 33 avec les jaunes ça fait beaucoup hein. Ah, t'y fais 20 pour 33 avec les jaunes, je pense. Ouais, mais regarde, il a fait 18 tours avec les. Quasi presque 19 tours avec les rouges. Et oui, justement. Il peut le tenter. Donc, il peut le tenter. Moi, mais devant, ils vont faire. Hein. Ils rentreront pour remettre des rouges en fin de course. Devant. Notre ami Velcros qui ont que deux pelotons. Mais bon, voilà. C'est Velcros, il est ressorti juste derrière 9 tours. C'est peut-être l'objectif de Roby aussi, hein, de tirer le plus les rouges pour faire qu'un seul arrêt. Ouais, ah, Roby, il écoute les stratégies, Roby. Si l'ingénieur lui a dit un stop, il va faire un stop. Ça lui a déjà posé des problèmes, hein, pas les bons pneus. Hein. L'année dernière, il y a des GP où qu'il a raté, le jeu lui disait rouge, jaune, il le faisait. Et nous derrière on faisait un arrêt de moins. Et il n'était pas beaucoup plus rapide. Hein. Maka qui passe sur Roby. Oui, Maka qui passe sur Roby. Raphaël qui te parle. Oui. Ah non. Romain. Non, c'est pas Romain. Putain. Oh, c'est le freinage de Maka loupé. Protozor. Allez, Roby au stand. Oui, Roby au stand. Il te dit attends toi, tu vas voir. Hachi et Roby au stand. T'inquiète. Et Maka, encore un petit top 10. Ah, Atomic. Oh mince. Bah pareil, j'ai vite envoyé une... Ouais, normalement ils en ont une, mais c'est une autre de secours qu'il faut lui envoyer. Oula, c'est quoi ça? Le quoi? Bah, Roby qui était au ralenti. Ah, il a l'air en galère, hein? Ouais, il est en galère. Bah oui, il était au ralenti. Velcros a même été lui toucher le... Ça va, il a rien cassé. Il vient juste de passer au stand, en plus, Roby. Bah, justement. Il est un peu froid, peut-être. Il aurait appuyé sur option ou quoi, mais ça m'étonne. Cette fin de saison pour Roby, il est un petit peu plus. Ouais, il a peut-être moins le temps. Hein. Il avait dit que cette année, il aurait moins le temps pour s'entraîner. Hein. Il a un petit peu plus de mal hein, en cette fin de saison. Allez, Béni, ça passe. 21 tours. Béni passe. Facile. Pour l'instant, Béni 6ème, très bonne course. Hein. Les intervalles, j'ai pas. Moi non plus. Ah hein. Oui. Bah, je crois même qu'il a fait en qualif, il était 8. Je dis, il a fait une très belle course, hein, Béni. Hein. Très belle course. Hein. Et pourtant, ça s'est passé juste à certains moments, mais il a fait une belle course. Hein. Bah, il va. Je pense. T'as la voix qui saute, Protozor.
Attends, il y a des coupures dans ta voix. Ouais. Voilà. Là, je disais que Willy va complètement décrocher. Là, déjà. Je vais vous laisser parce que je vois plus le jour. Non, c'est vrai, là. Genre, 30 secondes. Je vous laisse 30 secondes, je reviens. Bon, tout seul. Je vais attendre que tout le monde revienne. Je vais attendre qu'il revienne. Non, parce que là, c'est vraiment très, très fatigué. Je vais être en tête à tête avec le public. En tête à tête avec un ascenseur. Arrête, il va pleuvoir sur le circuit après. Dans 5 tours, il chausse les inter. Alors, Woody. Ah, Woody, c'est mort. Il est sorti du DRS, il a plus de RS, il a cramé toute son essence, il a plus assez d'essence pour finir là. Avoir qu'il roule en rang. Parce que la course est longue. En tout cas, il va falloir beaucoup de chance. Il va y avoir du travail. Et Nico qui est en 8ème position. Ça remonte tranquillement. Je vais juste regarder. Fais son petit bout de chemin. Voilà. Nico, tu vois, il est à 24 secondes maintenant du leader. Il était à 42. Hein. Natoum enfin rentré au stand. Ouais. Natoum est rentré au stand. Et quand tu regardes Nico, maintenant il a 24 secondes du leader, il était à 40. Natoum a bien géré ses pneus, hein, parce que... Ah ouais, mais grave, quoi. Il était en bataille avec Atomic, j'aurais pensé qu'il ressortirait derrière, mais pas du tout. Il hein. a quasiment fait 22 tours avec ses pneus soft. Comme ouais, Ayrton Senna, d'ailleurs. Et Martin. Oui. Ayrton y est encore, hein. Bah, Martin, ça fait déjà 2 tours qu'il est rentré. 19 tours, je crois. Ouais, ouais. Est-ce que ça, je pense qu'eux, ils vont réussir à aller au bout avec leur train de jaune si tout se passe bien. Bon, Ayrton, malheureusement, là, quand il va s'arrêter, il va se retrouver dernier. Il va se retrouver derrière. Mais Maka, 9ème. Hein. Déjà en Russie, hein. Il était pas mal. Hey, tu vois, il a mis les softs. Bon, il a encore peut-être 2 ou 3 tours. Avec les softs, avec les médiums. Comme Nico, hein, il va devoir s'arrêter aussi. Hein. Je pense qu'il va essayer d'aller le plus loin possible pour mettre les rouges. Quand il verra qu'il commencera à perdre du temps sur les leaders. Ah, mais il est quand même Nico avec ses pneus. Hein. Encore 10 tours, il faudrait faire. Et Hachi, ça passe sur Martin. Moi les petits loups, moi je vous laisse. Yep. Parce que je tiens plus. Honnêtement. Faut être en forme pour demain de toute façon. Non, y a pas ça, c'est surtout pour mon travail quoi. Bah t'as pas le choix, oui, bah oui. T'as pas le droit de t'endormir. Ah je suis épuisé. En plus j'ai passé une nuit d'enfer, de merde. Bref, je vais pas expliquer ma vie, mais bon. Ah bah c'est surtout pour le live quoi, avec les membres c'est pas grave mais... voilà. Bon, moi je vous abandonne. Ouais. Bonne soirée. Je regarderai le live et puis merci à tous les deux en tout cas d'être là. Bah, de rien, on va terminer. On va terminer. Je pense que personne ne va nous rejoindre. Personne va prendre ta place, on va terminer tous les deux. Sauf si. Il va rester une chaise vide. Sauf si nos amis Rumsey et Yoda, s'il y en a un des deux qui est motivé, on vous attend. Oh oui. Oh oui, bah, les gars. Je sais pas s'ils sont encore là. S'ils sont encore là. Faut regarder le live, le live, tu regardes le. Si Rumsey ou Yoda, vous voulez venir. Tu quêtes les commentaires. Oui, mais. Je sais pas s'ils vont venir. Hein. Ils sont allez, sur le live, mais... À demain. Ou Nico, 3 secondes. À demain, ouais, Titi. Merci, au revoir. Salut. Parce qu'on disait avec Titi avant, tu vois, c'est que Wiggy, du coup, il a bien décroché. Oui, mais... Ici... Et en fait, il a cramé tout son essence, en plus, et il a presque plus de RS. Ah ouais, il a l'essence en jaune. Ouais. Ça, c'est, je pense que là, ça se et en plus, il a une pénalité. Barrick
Oh non, Barrick. Peut-être un pilote qui laisse passer. Il y a une Nico qui arrive, je pense que dans la foulée ça va recommencer. Bon, Atomic, je sais pas s'il va laisser passer Nico. Bon, normalement, non, il a pas à le laisser passer, mais. Est-ce qu'il y a un moment où quelqu'un va se faire prendre un tour? Ah non, ça va, Roby est encore loin de se faire prendre un tour. On est à la mi-course. Ouais, donc. On est à la mi-course. C'est-à-dire que le niveau est assez serré quand même, hein, sur. Ah oui. Ayrton au stand. Là, ça met les jaunes et ça va largement au bout. Là, il va au bout. Il peut aller au bout. Hein. 27, il le fera lui. Après, à voir si les autres qui sont en piste un peu plus tôt peuvent. C'est un pari. Ça. Barrichello, il s'envole. Hein. Ouais, il commence à avoir des écarts. Hein. La seule bagarre, Nico sur Atomic, et il y a Martin qui est derrière Hachi, mais je sais pas s'il va attaquer, il va suivre. Ouais, je pense. Hein, donc ça, faut voir ce que fait Nico. Ça fait déjà deux tours qui. Atomic, 9 secondes de pénalité, Matt 6, et tous les autres ont que 3. D'accord. Voilà Nico qui pite. Remettre des. Ah ouais, mais je sais pas du des tout jaunes. Ce qu'il va. Il remet des jaunes, donc ça refera. Ah bah non. Il peut aller au bout. Ah si, enfin ouais. Il va au bout. 27, enfin 26, 26. Ouais, ouais. Il y va tout de suite. Parce que il sentait pas ses pneus sur Atomic. Autant s'arrêter tout de suite que de reperdre du c'est temps. C'est ça, un peu en plus. Quand tu réserves trop longtemps derrière un pilote, tu stagum. Ce qui est dommage, c'est que. Il aurait pu sortir. Enfin, c'était parfait pour lui de sortir devant Maka pour avoir la piste libre et pour attaquer à fond. Là, il va falloir qu'il se défasse de Maka. Oui, non, Maka connaît Nico, il va pas l'embêter. Et Widi, si il reprend 3 secondes. Ah là, il est en train d'offrir la victoire à Barrick pour l'instant. La frustration, sûrement. Bon, après, Maka, il a quand même 26 tours sur ses jaunes. Il va les faire durer aussi, pense, et faire rouge-rouge. Non, mais Nico, il va. Ah. Oui. Ça dépend. Ah non, Maka, il est parti en jaune, il est. Oui. Parce que là, il peut faire rouge-rouge jusqu'à la fin du circuit. Hein. Oh lolo. Ça voilà. Passe. Tu vois, il a pas insisté sur Nico. Non. Il s'est loupé au freinage en plus, il a été sport. Bon, il aura deuxième consigne d'équipe, il a son coéquipier qui arrive derrière. Ouais, pleine balle. Pour l'instant, pas d'incident, pas de crash, pas d'abandon. Matt. Un pilote qui laisse passer. Non, il est sorti. C'est Matt. Ah là, il fallait que je le dise. Et Nathan qui passe devant. Ouais, au moment où t'as parlé, un drapeau jaune. Oh là, c'est de ma faute. Désolé, Matt. C'est de ma faute. Ça y est, il a l'air d'avoir de tout son aileron. J'ai pas regardé, je t'avoue, mais. Martin aussi d'avoir loupé qui revient sur Maka. Ouais, ça fait un petit groupe à 3 là. Ah, la monoplace est juste complètement dégueulasse. Mais il a pas cassé. Je pense qu'il est sorti un peu large dans le gravier. Voilà. Maka il s'écarte. Il a laissé passer Martin. Pas la même stratégie, pas les mêmes pneus. Ouais, est-ce que ça aurait pas été intelligent de bloquer un petit peu pour relâcher son coéquipier s'échapper? Non, mais Martin de toute façon il. Bon, je pense que les points, ils vont lui être marqués, quoi. S'il marque des points, ils seront mis. Hein. Mais il arrive en fin de saison, il reste même pas 5 courses. Voilà, si le championnat lui plaît et qu'il veut rester la saison prochaine, pour l'instant, il n'y a rien à dire. Hein. Bon.
Bon bah il y a des écarts partout. Ouais, il n'y a plus de bataille pour l'instant. Plus de bataille. Une petite safety car peut-être. Allez les gars, une safety car là pour un peu d'action là. Qui se sacrifie pour le peuple? Ouais. Faut qu'il y en ait un qui se sacrifie là. Ah là là, après c'est assez compliqué de créer une safety dans ce, sur ce circuit parce que quand tu peux. Non, c'est faisable. Quand tu... Bon, Nico, ouais, Nico qui ouais. descend en dessous d'une 30. Je pense que c'est assez compliqué, tu sais, parce que. Bah, en fait, quand tu sors, donc, généralement tu sors loin. Tu sors très très loin. Et donc le jeu n'est pas trop trop. Ça dépend, il y a des endroits où tu. Il faudrait cracher dans la ligne d'arrivée en fait. Bon, automatiquement, c'est sous que le là, pont. Vraiment. Sous le pont. À l'accélération du pont, tu tapes à droite, la voiture elle est sur la piste. Ouais, c'est vrai. On en a eu une jeudi, nous, dans le. On en a eu deux même. On en a eu deux jeudi en 50% dans le groupe 2. Ouais, il m'est arrivé un truc ce week-end dans un championnat en F2, c'est on a dû finir la course au temps, tu sais, au timer. Ah bon? À cause de la pluie? Ouais. Pluie plus plein de safety car. Mais normalement le timer ils le mettent pas, on a déjà eu des courses à plus de 2 heures. Alors je sais pas en F1 mais on a eu le timer. Il y a eu drapeau à damier, ou à moins je qu'on sais jamais combien eu le de coup, tours. On est passé en dessous des 2 heures, on était encore en dessous je mais. Sais, alors je sais pas du tout. Ça nous a mais nous c'était arrivé, à bas, ouais, c'était à bas coût et on a. On a dû finir au timer. Prix avant que tu arrives dans le groupe 2, Canada 5 safety cars. Bon. Monaco 5 safety cars. Bah, le plus long en termes de durée, je crois, c'est Singapour. C'est déjà arrivé en vrai, il me semble qu'il le termine au timer aussi. Ayrton qui reprend 3 secondes. Ça commence à faire un peu de pénalité. Et en fait, ouais, c'est assez drôle comme situation parce que j'étais sur la ligne droite en train de doubler. Je suis en dépassement, je passe devant la voiture. Donc il restait 3-4 tours. Hein. Et au moment où je passe devant le gars, fin de la course. Oui, bah, j'avais pas vu, tu sais, j'avais pas vu que. Après en F2 les timings sont différents. Je sais pas combien c'est du tout, je me suis pas renseigné, mais en tout cas on a eu le cas en course principale. Benny, aucune pénalité, hein. Il l'a fait jeudi, ouais. Hein. Jeudi, il a fait une très belle course sans aucune pénalité, hein. Parce que là pour l'instant ça le met devant Matt, hein. Sachant que ça le met devant Matt, hein. Niveau avertissement, il en a 1, 2, ah, il en a 2. Attention, une prochaine petite bavure, ce sera la. Nico, quand même encore très loin d'Atomic, hein. Ça va être dur d'aller le chercher. Hein. L'Ordium est à 2 avertissements. En plus, oui. Bon, l'Ordium, il a déjà pris 3 secondes. Donc, il a déjà pris ses 3 secondes. Qui est-ce qui. J'ai vu qu'il ne les avait pas. Natoum et Maka. Alors attends, je vais te dire ça. Alors, Natoum, il a un avertissement. Non, ça c'est Barry. Barry qu'on a un, Natoum. Ah, bon, Barry qui a déjà pris, c'est... il est déjà devant, de toute façon. Natoum, on n'a qu'un seul. Et je crois que Maca, il me semble, on n'a pas du tout. 30 tours, Maca, hein, sur ces jaunes. Hein. Ouais, et sans avertissement, sans le moindre avertissement. Bon, il fait partie des pilotes qu'on a pris le moins dans le championnat. Ah ouais, bah c'est sûr. Hein. C'est sûr, c'est sûr. Alors, on a tout le monde qui se tient, on a même plus de personne qui est dans le DRS de ACV Atomic. Recommence Atomic à remonter sur il Benny. Revient sur Benny. Ouais, j'étais sur lui, je voyais le delta qui. Les écarts qui fondaient un petit peu. Intéressant. Après, ils ont le même nombre de tours sur leurs pneus. Mais Atomic n'a plus de RS. Atomic n'a plus de RS. Bon, Benny, il en a pas beaucoup plus, hein. Ouais, ils sont kiff en ERS. Ouais, ouais, ouais. Ça met le mode dépassement. Ouais, un petit coup sur la 7ème vitesse. C'est ça, ouais, pour se mettre dans la seconde. C'est utile, hein, rien que d'appuyer une seconde dessus. Hein. Ouais, bah ouais, je crois que tu prends 50 ou 100 chevaux, il me semble, en plus, sur le moteur. Si c'est pas 150, le mode dépassement. Mais celui, c'est beaucoup. Je peux pas l'utiliser beaucoup, 80, mais ouais. C'est pas 80 chevaux, le. Et ouais, je crois que c'est entre 50 et 100. Hein.
80 chevaux la batterie. Martin, sur Hachi, ça commence à remonter aussi un petit peu. Ouais, mais depuis tout à l'heure, hein, il est dans le, il est dans la seconde. Dans le... ouais. Atomic est dans le DRS de Benny maintenant. Il est rentré dans le DRS. On va faire d'erreur jusqu'à la ligne droite et ça sera jusqu'à la zone d'arrivée. La ligne descend et ce sera bon. Ouais, mais faut être un peu plus près que ça. Hein. La ligne droite est pas assez longue. Bah là, il va, s'il met le mode dépassement dans la ligne droite courbée, ça peut peut-être passer. Là, il faut éviter en virage, hein, le mode dépassement. Juste à la ressortie un petit peu. Il est en train de bien, ouais, il va l'avoir le DRS. Largement, ouh là, il a mis. S'il fait un gros freinage, il pourrait, mais c'est bon. En début de course, Atomic, il a une sacrée vitesse de pointe aussi. Il a pas mis beaucoup d'appui dans le setup, je pense. Hein. Parce que quand je voyais que par rapport à Nico, il n'arrivait pas à le rattraper en ligne droite. Il va très vite en ligne droite. C'est impressionnant. Sur un Benny qui tire un peu large à l'entrée du virage. Ah. Martin, ça va peut-être attaquer. Ça prend 3 secondes, mais ça va peut-être attaquer. Ah bah non, du coup, il a un peu relâché les 3 secondes, ça l'a un peu perturbé, je pense. Je pense qu'on a plus de chances d'avoir un dépassement sur Atomic, enfin Atomic Benny. Oui. Que... Et je suis passé, je fais 3 dixièmes, 4 dixièmes. Enfin, même 5. Oui, Atomic, il y a un moment, il va sûrement le tenter. Il a un... Tu vois que dans la partie sinueuse, il a un peu du mal. Il y a un setup qui est vraiment full ligne droite, je pense. Là, il va avoir un petit peu de mal pour le, voilà, pour le suivre. Benny va reprendre de l'avance. Voilà. Sauf que dans la ligne droite, il va le resserrer. Là, c'est intéressant, ça, de voir différentes approches tactiques sur le même circuit au niveau des réglages. Comment je suis comme Benny, j'aime bien avoir beaucoup d'appui. Quitte à sacrifier des fois les lignes droites, c'est... Si demain t'as trop d'appui, tu vas te faire déposer en ligne droite ou t'arriveras pas à doubler. Là, il va y aller, je pense. Hein. S'il se jette bien dans le virage... Non, il y va pas. Allez, Martin qui se rapproche aussi. Il va peut-être avoir sa chance. Là, s'il coupe pas le virage et qu'il reste concentré... Oui, Martin, ça va y aller. Hachi s'est loupé en plus. Ouais. C'est parti. Bien joué, Martin. Propre et efficace. Ouais. Naka au stand, qui... 33 ouais, tours. Et après, il va lui rester 20 tours sur les rouges, ça va. Oui, mais avec une voiture plus légère. Hein. Ouais, et ça va moins user, j'allais dire, parce que la voiture est plus légère, donc c'est... Oh, 10 secondes. Il est rentré mettre les rouges pour finir. Weedy, il est rentré trop vite dans les stands, il a pris 5 secondes. Et vu qu'il, ouais. S'arrête... vu qu'il s'arrêtera plus... Aïe. Ah là là. Et il va buter sur Natoum. Il va le passer. Il va buter sur Natoum. Parce que Natoum va aller au bout. Ah non, son coéquipier là. Il est toujours en. Oh, drapeau. Non, ça laisse passer. Ah, Atomic est passé. Ouais. Et Martin a dû se louper parce qu'il a 2 secondes 5 d'Hachi. Alors qu'il l'avait passé tout à l'heure. Oui, il y a un petit coup de drapeau jaune. C'était sûrement dans ça. Nos petites bagarres. Benny qui restera. Là, Benny va pouvoir bien coller dans les zones sinueuses. Bon, là, Weedy, ça va quand même aller très vite. Il devrait bientôt prendre le meilleur tour aussi. Ça va aller très vite. Et il revient très fort sur Natoum.
il a plus beaucoup d'essence. Hein. Sachant que Barry qui est à 19 tours sur ses jaunes, il ira pas au bout. Donc faut vite qu'il les quitte, je pense. Ouais. Faut que Barry qu'il le contre assez vite. Mais bon, Barry qu'il a montré qu'il avait un gros rythme. Donc même s'il tarde à s'arrêter, Widdy va taper dans ses pneus, Barry qui seront frais. Encore un drapeau jaune. Oh là 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 là. C'est ouf. Ça a laissé passer peut-être, je sais pas. Matt au stand. Ouais. Mettre les rouges aussi. Hein. Ouais, c'est, la... c'est peut-être ça en fait. C'est peut-être. Non, ça avait l'air d'être un peu plus haut. J'ai pas trop. Velgros, Maca qui ont pris un tour. Velcros aussi a été au stand. Oh là là, Widdy, 11 secondes. Ouais, mais il a pris 5 en entrant au stand. Et il les prendra en fin de course, donc c'est vraiment 11. Aïe, 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 aïe. Donc là, il faut qu'il creuse l'écart sur l'ordium. Parce que Natum, il avait un peu d'avance sur Natum. Mais... Ah ouais, mais... Il revient fort sur Natum, mais après, il va falloir lui prendre 11 secondes. Hein. Et pas en prendre plus, hein. Atomic, il en a 9. Hein. Ouais. Donc Benny, ça, elle le sait. Et c'est pour ça que Benny va rester derrière. Ouais, ouais, s'il est intelligent, il reste derrière. Et sachant qu'ils vont, ils ont 20 tours tous les deux. Velcros, encore 3 secondes. Ah, dommage. Tu vois, moi, je serais Benny, je rentrerais maintenant pour mettre les rouges, lui ressortir devant. Puis après, bah, tu tiens devant. Il ressortirait derrière Nico et Matt. Devant Hachi, ouais, s'il s'arrête. Comme sa bagarre est avec. Avec Atomic, je pense que le. Il est pas rentrer maintenant. Va-t-il aller au stand? Non. Non. Les deux continuent. Okay. Ouais, il y en a pas beaucoup d'écart. Hein. Par Widdy qui revient bien sur Natum. Ça revient vite. Ouais. Oh, Widdy, il en reprend 3. Bon, bah, mon pauvre Widdy. En plus, il est toujours en. Ah, bah là, il est carburant. Il est full attaque. Ah, oh, Benny, 3 secondes, il en avait pas. Bon, ça en fait plus que 6 de. 6 de. Mais il en a encore 6. D'avance sur Atomic. Là, il doit s'en vouloir. Attention à pas trop le l'avoir dans l'esprit quand même. Il peut passer à autre chose. Ah mais 3 secondes, tu perds une course hein. Oh, Ayrton Senna peut-être. Un dépassement en queue de peloton. Prends pas l'aspiration. Il reste une derrière. Il y a 5 tours d'écart avec les pneus, c'est pas énorme. Widdy qui améliore encore. Ah, il envoie. Hein. Moi, voilà, il a chez chevaux. Hein. Allez, Ayrton. Prendre son carburant. Sois patient. Sois patient et ça va Benny, ça y est. Benny au stand. Ouais. Mais des rouges. Ouais. Matt. Ouh, Matt, il a mis un grand coup. Mais il a de l'essence. Matt, il a de l'essence. Widdy en a pas, donc pour le meilleur tour, il a pas mis d'essence. Là, on pourrait avoir un dépassement de Ayrton sur Robbie. Il avait l'air d'être plus rapide. Ouais, en plus, dans la ligne droite, il va bien coller. Et Matt, ça va remonter très fort sur Nico, je pense. Robbie doit avoir beaucoup d'appui. Ouais, et aussi, beaucoup trop, ouais. Beaucoup trop. Allez, jette-toi. Oh, non, il a été sage. Prudent. Non, c'est très bien, il a été sage. Mais là, bon, il est un peu loin, ouais. Du coup. Là, du ouais. Coup, ouais. Barry, constante. Allez, le viseur. Alors, où est-ce qu'il va ressortir? Derrière Natum.
Natou, oui, Widi, Natou salut, passe. Paul. Et Oula. Widi. Widi le passe Ouais. aussi. Widi Ah bon, passe. Widi Et malheureusement, il n'y combien? a pas de pénalité 14, chez je crois. Ferrari. 14 pénalités pour de Ouais, secondes de 14 pénalité. secondes pour Widi. C'est dommage. Et Matt, ça va très très bien remonter sur Nico. Ça devrait passer d'ici la fin du tour. Ah. Et Atomic qui ressort par rapport à Benny. Benny qui s'est mis en mode carburant 3, il a tout donné, mais Atomic qui repart. Devant. Ouais, assez. Ouais, mais il a un peu vu. Il a contré à un tour. Ouais, le tour de chauffe est pas ouf avec les Ouais, rouleurs, c'est mais pas le dire. Benny, il est encore dans. Oh non, mais. Atomic, il a quand même 15 tours hein, sur ses rouges. Hein. Ouais. Il s'est trompé de pneu? Qui ça? Atomic, il vient de faire un arrêt. Ah ouais? Il a remis ses rouges du début. Il a remis les Ah oui, rouges du départ. Il il a s'est peut-être tout trompé. cramé en qualif. Bah non, mais Il avait normalement, plus. non, pas 15 tours. Il a dû se tromper en mettant les pneus. Oh, Et justement, dommage. il a mis. Oh là là. Oh, Et là, je crois dommage, que tu vas. Atomic. Et oui, Benny remonte facilement du coup. Matt, ça Velcro devrait qui passer, je passe. pense, hein. Velcro Matt qui est sur passé Nico. Ayrton. Ayrton a fait une erreur. Ouais, il s'est retrouvé assez loin de Robu. Ah ouais, mais il vient de se faire passer par tout le monde. Après, les autres derrière ont des pneus rouges neufs hein, Il a aussi. pas été au stand? Non. Allez, Matt sur Nico, ça va peut-être y aller dans la ligne droite là. Ouais, oula, il est bien ressorti en plus. Ah puis Matt, il a des rouges. Hein. Ah Nico, il va pas se laisser faire. Hein. Nico va pas se laisser faire, il a Non, bien non. raison. Il y a un joli groupe là emmené par. C'est qui? C'est l'Orion. Il y a des retardataires, il y a un peu de tout. Il n'y a que des retardataires en fait. Atomic qui retourne au stand. Et oui, forcément. Bah oui. Dommage pour. C'est vraiment dommage. Aïe, aïe, aïe. C'est vraiment dommage. Barrick qui est très très proche de Widi. Hein. Après. Bon, je le vois pas. Sauf s'il a vraiment une belle opportunité, mais prendre des risques sur longtemps. Widi cerné entre deux Ferrari. Natoum, il va pas se laisser se dépasser. Hein. Bah surtout qu'il peut un peu aider. Oui, il peut aider. Il peut aider. Il peut aider son coéquipier derrière. Allez, Matt, ça va être Nico. Il va y avoir une deuxième chance. Oui, je me mets sur eux avant le DRS. Ils arrivent dans la chicane. Genre qu'avec les rouges, il... Oh, il a bloqué les roues. Oula. Heureusement, il ressort un petit peu mieux quand même. Non. Ah, il va être un peu loin là. Il est ah, un peu ouais, loin. Il a bloqué les roues et c'est un petit peu loin. Il est un peu loin. Il a plus de RS du tout, Matt. Et Nico, il en a. Il en a. Natoum qui fait parfaitement bouchon et l'Orbium qui arrive à s'échapper un petit peu. Il a repris une demi-seconde. Oh, il dit qu'il se loupe au freinage. Et ça passe pour Barry à la réaccélération. Non, il a pas eu son arrêt. Ce côte à côte. Oula, c'est tendu, attention, hein, laisser de la place. Ouais, c'est bon. Ouais. Très bonne manœuvre de Barrick. Ah, Barrick a l'air d'être très très rapide ce soir. Allez, Natoum, est-ce qu'il va laisser passer son coéquipier? Oh oui! Je pense que oui. Oui, oui, il va le laisser, c'est sûr. C'est le leader, hein. Petit. Il va lui laisser le DRS, je pense. Il attend d'avoir que c'est le DRS et. Oh lolo, oh lolo Natoum. Et voilà. Consigne d'équipe chez Ferrari. Et ça y est, Matt qui est passé son Nico dans la ligne droite. Il n'a pas attendu la zone d'arrêt cette fois. Oh, ça va être tendu là, Nico qui a pas apprécié, ça se voit son pilote, il a pas apprécié de se faire passer comme ça. On va bientôt rentrer dans les 10 derniers tours.
Oh là 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 là, il se déboîte, il se déporte. Ah oh, Nico, ah ouais non mais. Quelle vitesse de pointe de Nico. Oh là 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 là. Et Woody qui s'est remonté sur. Woody va bien aller passer sur Natou. Il attend la fin du tour. Mais Nico, bien remonté, hein. Il va au bout, il est cinquième. Sachant que devant, je pense que Woody, ses pneus vont fatiguer Nico, très très vite. Sauf bien les meubles, hein, mais malheureusement, ça va être dur de tenir. Et tu vois, je suis pas. Ouais. Moi, je pense que pour contrer, il peut même chercher Woody parce qu'avec les 14 secondes de. Enfin, je sais pas si c'est resté à. Oui, mais Matt, il en a aussi, hein. Matt, il en a 9, hein. Girkol a 14 à 11 secondes Nico. Nico. Non, Nico, il peut pas aller chercher Woody ni Matt. Son regard à 25 secondes. C'est trop loin. Ah, mais je suis fou parce que regarde, les pneus de Woody ont déjà. Ouais, pas que. Ah, il a des rouges quand même. Hein. Nico, il a déjà 14 des rouges qui ont déjà 6 tours. Qui ont déjà 6 tours, il en reste 11. Allez, donc ils vont avoir Woody 17. Qui passe. Oh, un drapeau jaune. Martin, en travers de la piste. Oh, il y a eu un contact, je pense. Avec Hachi parce que. Ah, il lui manque là le boulet, le rond à gauche. Ouais, il y a eu contact là. Ça va rentrer au stand. Hachi a-t-il tout. Hachi, il a l'air complet. Ouais, moi je suis en vue extérieure, mais. Ah, moi je le vois. Oh, drapeau jaune secteur 1-2, ça laisse passer. Là, il y a du monde à l'épingle. Ça laisse passer, ça laisse pas Salut, passer. Yoda. À demain. Yop, à demain. Martin, oui, Martin au stand, bon, c'est normal, il n'y avait plus d'aileron. Cherche peut-être le meilleur. Oh, il peut essayer de s'amuser à aller chercher le meilleur tour, mais. Pour l'instant, moi, le meilleur tour, jouer, c'est. Matt. Hein. Matt est de bien. Ah non, pas, en 28, pas de beaucoup sur Barrick. Hein. Il est en quoi? Il est en 1.28 28.4. Martin, son meilleur temps, c'est 1.30.6. Bah, il a roulé qu'en jaune tranquille. Donc. Ouais. Allez, peut-être une petite attaque en rouge, ça, pourquoi pas? Bah, il, c'est son droit. Bah, après tout. Après tout. En plus, s'il fait top 10, il prend le point. Bah pour l'instant, il a Velcroz juste derrière. Le seul, merde. Le seul problème, c'est que. Ou un drapeau jaune, c'est Maka qui est en travers. Là, je crois qu'il a cassé par contre. Hein. Je vois un morceau d'aileron contre le. Alors, Maka, qu'est-ce que tu fais Maka, il a pas l'air d'avoir l'aileron abîmé. Non, ça a l'air bon. Il s'est juste retrouvé en travers alors. Mais il avait ouais, il le nez touché. Contre le. Bah, il a été frotté le mur, mais il a rien. C'est ça. Ouais. Martin est ressorti. Ah, il y a. Voilà. J'allais dire Velcroz a levé le pied, mais. Il laissait passer Barrick. Ouais, c'est assez compliqué là. Il y a les drapeaux bleus. Voilà, ouais. La zone des 4 derniers, il y a pas mal de drapeaux bleus, des bagarres au milieu. Matt, hein, encore tout proche de Nico. Hein. Il n'arrive pas à s'en débarrasser. Hein. Il donne oui. Tout, Matt. Hein. Ils reviennent quand même hein, sur Natuma, mais peut-être pas assez vite. Hein. Il reste 8 tours. Hein. Enfin, peut-être moins, parce que n'oublie pas que nous, il nous avait rajouté 3 tours. Hein. On était à 3 tours au tour 1. Hein. Ouais. Alors, soit c'est un bug visuel. Ou il est bien sorti. Hein. Oh, il va y aller là. Je pense que passer pour Matt. Matt, il a plus de RS, hein. Ouais, mais avec le. Oula. Nico non plus. Ah, il se lâche pas. Hein. Ouais, c'est beau à voir. Il se lâche pas. On hein. Voulait un peu de bagarre, on l'a. Fais attention à pour pas trop bouger. Pour l'instant, on a deux Ferrari, hein, deuxième, troisième, hein. Deux Ferrari sur ouais. Le podium, hein. Après, le podium va s'arrêter, je oui, crois. Oui,
Quoi en fait, non, il a tenté. En fait, Lord Jum, là, il tente le coup. Mais bon, Barrick revient fort. Hein. Bah, surtout qu'il a déjà 3 secondes au moins, Lord Jum. J'ai pas le Donc, exact, voilà, dans pas longtemps, Barrick qui sera devant. Widdy qui en reprend 3. Ah là là, dommage. Natoum, sa petite course tranquille, 4ème. Qui risquerait de passer 3ème. Cela, si Lord Jum s'arrête, c'est un doublé Ferrari. Hein. Ouais. Doublé Ferrari. Je crois qu'il va s'arrêter, il va pas s'arrêter. Bah, je pense que Lord Jum, là, il l'attente, mais malheureusement, là, c'est déjà foutu. Pour l'instant, il est 2ème. Et il y a Natoum qui est pas loin. Hein. Ah, quand même, un petit peu. Lord Jum, il peut peut-être sauver sa 3ème place. Moi, je pense que là, demain, il va finir 2ème. Natoum, je le vois pas revenir. Hein. Widdy peut revenir autant qu'il veut, il lui mettra sûrement pas 14 secondes. Ah, Widdy a 17 en plus. 17, ça veut dire que Nico... Nico, il a plus que 7, il a plus que 7 secondes. Non, 8 secondes. Ah, c'est 10 secondes à gagner pour Nico. S'il remonte à 10 secondes dans... qui reprennent plus d'une seconde au tour là. C'est ça. Une seconde 5 à peu près, une seconde 3. Et Ayrton qui revient sur Roby. Matt et Nico, ça va. Oui, ils vont encore essayer de remettre ça. Ça va durer jusqu'au bout. Hein. Ah, Barrick, très très proche là, ça y est, de l'ordre. Ah il ouais, Barrick. Mais Barrick, il est revenu très très fort hein, sur l'ordre. Hein. Bah, après, les pneus. De toute façon, des rouges qui ont 7 tours, des jaunes. Ayrton a une chance d'aller chercher. Roby, ils ont combien de pénalités? Tous les deux 6 secondes. 6. Matt qui en reprend 3. Ça fait 12 pour Matt. Ça va être dur d'aller chercher devant. Et il va même se protéger de derrière. Il va même perdre celle de Benny. Hein. C'est pour ça qu'il faut qu'il mette. Non, en 9 secondes. Matt, il est à 2 dixièmes ouais, 9, de la garder sa place. Benny, faut là, forcer. Là, ça y est. Il est à 9-0. Donc. Barrick 4 dixièmes. Il est là, il est collé à. Ouais, je pense que là. Il est collé à Lordium. Il y a Martin derrière qui était là aussi. Ouais, il a laissé passer. Allez, il a pas attendre la DRS, il va y aller direct. Ouais, mais là, oui, il a les pneus, il a tout, il était il rapide. Trop, oui, oui. Lordium, il a plus de pneus là. Il a un différentiel incroyable. Bon, il a envoyé de l'ERS. Hein. Et Lordium. Ah, il en a un. Hein. Lordium va peut-être essayer de. Non. À l'accélération, il peut pas. Est-ce que Lordium va essayer de se venger? Non. C'était gourmand, là, hein, Lordium. Hein. Matt. Ou un drapeau jaune. Bah, c'est Ashley qui est. C'est Maka qui laisse passer, je pense. Mais c'est ça, c'est Maka qui les a laissés passer. Oh, il y va. Oh, il ferme Nico. Ayrton oh est passé. Lolo. Ayrton... C'est assez limite la manœuvre de Nico là. Ayrton est passé sur Roby. Assez limite, attention à pas. Pas forcément repousser, je pense. Ah, Matt, il bug un peu. Hein. C'est dommage. Caméra embarquée. Le truc qu'il y a, c'est que est-ce que c'est vraiment utile de l'attaquer, sachant qu'il a 5 tours, il a 12 secondes et l'autre 3. Nico, il prend des risques. Il a que 3, Nico. Ouais. Il a que 3, ouais, et Matt 12. Pour l'instant, Lordium, il va garder sa P2. Hein.
pour l'instant. Ah, on avait Ils sauvent les meubles, hein. Weedy au stand. Weedy, il a tenté le tout pour le tout. Et il purge ses 5 secondes. Ouais, mais il a tenté le tout pour le tout, il va chercher le meilleur tour. Mais là, il va dégringoler au classement. Oui, non, mais de toute façon, il est allé dégringoler. Il va ressortir devant... Il va ressortir devant Nico. Nico, il passe. Nico, il mate. Oui. Les deux, ils passent. Ouais, et Benny... Il a perdu un peu plus, là. Ah, là, Weedy perle. Bon, il n'y a plus que 12 secondes. Ah non, mais c'est très mauvaise opération pour le classement général. Je sais pas s'il a buté sur quelqu'un, s'il a cassé quelque chose, mais... Non, mais non, le tout pour le tout. En fait, il a perdu beaucoup de points pour aller en chercher un. Je comprends pas, là, lui dit. Il va se rengueuler après la course. Je comprends pas. Il a perdu beaucoup plus. Normalement, il aurait fini... Il aurait quand même fini 4. Ouais, mais j'espère qu'il va pouvoir aller chercher... Bon, Matt, normalement, il va peut-être le laisser passer. Il faut qu'il aille chercher Nico derrière et il récupérera sa quatrième. Il peut aller rechercher sa quatrième place. Avec les tours de décalage qu'on a. Bon, il n'y a plus trop d'écart, là. À part Matt et Nico et Weedy qui arrive derrière. Ouais, Weedy. Ça va aller très très vite, là. Il va... Est-ce qu'on ne sert pas d'inviter trois groupes? Ça bug. Pardon. Voilà. Normalement là, je suis bon. Weedy, ouais, il est déjà dans le jaune en essence, hein. Ouais, compliqué, hein. Pourtant, il y était plus, il vient d'y repasser dans le jaune, hein. Ah, je pense qu'il lâche tout pour attaquer devant. Bah là, il vient de reprendre une seconde à Bat, hein. Sachant que c'est son coéquipier. Bah oui, mais le seul problème, c'est que lui... Oh, Weedy, qu'on reprend 3. Oh, il avait... Il aurait pu passer Matt, il pouvait pas passer Nico. Ouais, terrible. Mais là, en fait, ça va jouer, c'est Natum et Lordium. Il n'y a plus que 7 secondes d'écart. Il faut pas que. Il faut que Natum lui reprenne une seconde au tour. Après, il reste 3 tours. C'est ça. Peut-être un peu plus. On sait pas. On va bien voir. Si ça se trouve, on va arriver à 53. Ils vont encore en faire 10. Peut-être que le jeu les a mis tous à 3 tours. Parce qu'on a, nous, on a même vu le DRS s'activer. Allez, Weedy dans les échappements de Matt. Il est spécial. Bon, Weedy, il faut qu'il prenne 3 secondes à Matt. Et puis qu'il ne reprenne pas, hein. Moi, je pense qu'il va aller pour le championnat, il le laisse passer. Parce que là, il n'a pas forcé. Weedy, il va aller chercher ce point. Allez, Weedy. Le prochain, c'est Nico. Fais gaffe, il se laisse pas faire, lui. Il y a une Renault entre. Je sais pas si. Ouais, mais Nico, ça va chercher à rien. C'est peut-être celle d'Atomic. Nico, ça sert à rien de le chercher, je pense. N'oublie pas, ils ont un peu d'ego, hein, ces pilotes. Un peu d'ego, mais ouais, prendre des risques. De le dépasser. Non, mais je connais, hein. Ouais, mais bon, il y a quand même un petit peu de bien pensant, je pense quand même. Oui, si Weedy peut aller dépasser Nico, il va le faire. Hein. Ah, il y a une Toum. Et il va avoir des changements au classement. Hein. Mmh. Eh, Weedy. Ça revient fort là sur Nico. Et Weedy, il a plus de RS. Et Nico, bah, il en a pas beaucoup plus. Hein. C'est juste que là, ouais, je pense qu'il va beaucoup mieux passer la chicane pour ressortir proprement. Par contre, Nico, normalement, a le DRS. Ah, ils ont une As devant. Ouais. Ah non, il a pas le DRS.
Hachi qui s'écarte très bien. Lordium qui reprend 3 secondes. Il drapeau jaune. Ouais, non, mais c'est le Hachi qui a levé le pied pour laisser passer tout le monde. Ouais. Parce qu'il avait Matt aussi derrière, donc je pense qu'il a laissé passer Matt aussi. Ah là là, Lordium. Lordium qui perd la P2 sur ses 3 secondes. Ouais, et là, il faut se faire une erreur de Natum pour lui. Ah là 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 là. Là, il doit s'en vouloir, Lordium. Je pense qu'en même temps, les pneus deviennent très compliqués à gérer. Ouais. Je pense que là... Ah, dommage. 36 tours sur les jaunes. Et on va regarder Natum, il est... Je sais pas combien il y a d'avertissements. Je sais que tout à l'heure, il y en avait un. Allez, Widi. Natum, il a 2 avertissements. Il lève le pied pour essayer pour tenter sa chance dans la ligne droite. Ouais, Natum est à 2 avertissements. Donc... Ouais, Widi, t'appuies sur le bouton dépassement, mais t'en as plus. Nico non plus. Ça va passer. Ouais. Moi. Nico qui insiste pas non plus. Il le sait qu'au niveau des secondes, il va... Il va repasser. Alors, Barry... Alors, j'espère pour eux que c'est vraiment la fin de course. Parce que Barry, pour moi, a l'essence rouge. Donc, s'il finit pas, il finira pas la course. Ouais. Mais je comprends pas pourquoi. Ah bah oui, non, mais le dernier tour, il te l'affiche en rouge, oui. Eh oui, donc c'est forcément, j'espère pour eux, c'est le dernier tour. Bah oui. On va bien voir, hein. Alors, Barry qui passe la chicane et qui devrait s'imposer, alors... Est-ce que c'est vraiment le dernier tour ou pas? Est-ce qu'il s'impose ou pas? Ouais, c'est lui, c'est bon. Ouais, c'est bon. Il a cassé la voiture. Imagine si c'était pas le bon tour. Oh putain, la Renault. Oh, ils vont nous faire le carnage. Boum, allez, 3 voitures au tas. Allez. Oh, l'ordre, il est passé, c'est pas drôle. Alors, le top 3 devrait pas bouger. Ouh, il y a 3 cadavres sur la... Non, le top 3, ça bougera pas. C'est Widi qui va perdre une place, là, sur Nico. Et il a plus de descente, Widi, attention, parce que Matt va peut-être lui remonter dessus. Non, c'est Matt, fini, c'est fini. C'est bon, les voitures, ils s'arrêtent. Il se passe quelque chose dans la ligne droite, là, c'est incroyable. Oh, les cadavres. Tout ça, Barry qui casse la sienne, la Renault qui tape. Qui passe Matt. Et hop, là, allez, tac, hop. Non, c'est une Mercedes. Allez. Oh là là, le carnage. A... C'est pas grave, ils ont passé la ligne. Attends, il y a Hachi qui arrive encore. Il y avait la As même. Il n'y a plus que Hachi. La As. Je crois qu'ils vont casser toutes les voitures là. Il y en a qui sont passés entre les mailles du filet. Hein. Ouais, il y en a qui sont passés. Allez, Hachi. Est-ce que son IE. Oh non, mais pourquoi il a... Oh, c'est pas marrant. Non, mais c'est l'IE hein, qui a repris. Yeah, de merde. Il y a une paire de cadavres là. Alors là, c'est un cimetière le bordel. Natum, pilote du jour. Ouais. Très belle course du pilote Ferrari, puis une victoire Ferrari. Doublé Ferrari même du coup. Oui, un beau doublé Ferrari. Comme on les aime. Et ben voilà. Très 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 propre. Red Bull qui sauve les meubles avec Lordium 3ème. Et Nico 4. Nico conforte sa première place au... Pas Nico, Barrick qui conforte sa première place au classement général. Et reprend même... Ça fait quand même beaucoup de points repris sur Lordium là. Et encore bien plus sur Widi qui finit 5ème. Bon, Widi prend quand même sauve les meubles avec le point du meilleur tour. Ouais, exact. Benny qui passe Matt. Belle 6ème place de Benny. Hachiroku qui finit 8ème quand même avec un seul arrêt.
Et donc les non pénalisés, il y a les deux Ferrari et Maca. Atomic Weather, dommage pour lui, 4 arrêts. Hein. 4 arrêts. Hein. Ah bon, sans les 4 arrêts, il est. Il aurait pu être 6ème, 6ème, 7ème. Ah, ça se joue à une erreur de stratégie, un peu comme Mercedes à Bahreïn. Ils n'ont pas mis les bons pneus. Oui, mais après, il a peut-être bougé les flèches, il a pas vu, ils ont mis usagers. Le seul problème, c'est qu'ils mettent usagers, mais ils te mettent pas de l'onde de tour. Parce que. Ils se trompent. Ouais. Bon, bah, c'est des choses qui arrivent. C'est des choses Est-ce que tu veux que j'invite les trois premiers dans la vocale? Non, bon, on le fait jamais. On le fait Comme ils le font pour nous, je me suis dit. Non, mais ils viendront peut-être même pas. Viendront peut-être même pas. C'est toi qui vois, c'est toi. Natoum, je pense pas. Barrick, peut-être, mais. Non, mais c'est bon. Il y a trois personnes sur le live, dont moi. Donc, et moi. Et toi. Et le troisième, je sais pas, c'est peut-être un autre pilote. Donc, ça sera surtout pour la rediff. Bon, ben, on a eu une course légèrement animée avec le crash de Nico en début de course qui l'a obligé à faire une grosse remontée. Ouais. Remontée bien effectuée quand même. Mais, même s'il il est bien remonté. Hein. En pôle, mais... Il est bien remonté. Il arrive quand même à se placer devant les deux Mercedes. Bon, et ben voilà. Donc on va se dire au revoir. Exactement. On va se dire au revoir. J'ai fait l'erreur d'appuyer sur le bouton PS sans le faire exprès. Réflexe. On va se dire au revoir. Au revoir et déjà à demain. Oui, demain soir sur la même chaîne, le groupe 2 en Russie. Ouais. Et encore le groupe 2 mardi prochain au Japon. Donc deux courses du groupe 2 sur deux semaines. Bonjour les émissions carbone. Bon, eh ben bonne soirée à tous. Merci d'être venu, ouais. Merci de regarder la rediffusion sur YouTube. Au revoir.